La sortie du jour de Diane Chénouda. Ce matin, Diane, vous nous faites découvrir, bonjour, un duo américain Thomas. Inédit, une mère et son fils qui viennent tout droit de Kansas City. I'm a believer. Oui, ce sont les Madison Ward and the Mama Bear, un album guitare-voix, hein, on l'entend. Une mère et son fils, en effet, Thomas, deux voix uniques, surtout l'incroyable voix de baryton de Madison, le fils. C'est vraiment une voix qui laisse sans voix, j'ai envie de dire, d'une puissance. C'est un très très bel album, soul, blues, folk, hein. Il y a une émotion, un souffle. Mais ils sortent d'où? Alors comment ont-ils décidé de chanter et de jouer en famille? Bien écoutez, tout commence à Kansas City. Le petit Madison voit sa mère chanter des reprises dans les cafés. Il se prend lui aussi de passion, hein, pour la musique, la soul, le folk, le chant, la guitare. Il se met à écrire ses propres chansons et commence à chanter, jouer avec sa mère dans les bars. Voilà, ils restent longtemps loin des projecteurs. Ils finissent par séduire vraiment le public sur scène. Hein. Madison Ward and the Mama Bear devient incontournable. L'an dernier, ils font même la première partie du légendaire B.B. King, aujourd'hui disparu. C'est vraiment des chansons qui racontent la vie dans le Midwest avec des personnages un peu rocambolesques. On est vraiment garé votre cheval devant Europe 1. Voilà, c'est ça, on est en Amérique. Mm-hmm. Madison Ward and the Mama Bear, premier album à écouter sur internet avant la sortie dans les bacs début septembre. Ils seront en concert à Paris dans la foulée. Puis alors, vous savez que une famille qui joue ensemble de la musique, ça rappelle les Chédid chez nous. Bien sûr. N'oubliez pas ce rendez-vous demain soir en direct. Vous êtes tous invités à l'Olympia puisque le concert des Chédid sera diffusé en direct et en intégralité sur Europe 1. C'est absolument magnifique. 20h, ne ratez pas ça. Merci Diane, à demain.